2022, de janvier jusqu'à octobre, nous avons déjà accueilli ici au centre, le centre de Bujumbura, 822 cas que nous avons assistés. Et ces 822 cas concernent les cas de viol. Parmi ces 822 cas, nous avons 751 qui représentent 93,8% qui sont des femmes, des filles, et 51 sont de sexe masculin. Ce qui est très étonnant et très alarmant, c'est que la plupart d'entre eux sont des mineurs. Parce que 678 cas parmi les 822 sont de moins de 18 ans, cela représente 82,48%, et parmi ceux-là, 144 cas sont seulement des majeurs. Vous comprendrez alors que c'est un phénomène qui est vraiment alarmant. Voir 678 cas de viol subis ici à Mairie de Bujumbura, que ce soit des mineurs moins de 18 ans. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant pour que, par exemple, les arrangements à l'amiable qui se font au sein de la communauté entière sache que c'est un meurtre qui est là, qui est commis. Si, par exemple, vous voyez une fillette de 6 ans, une fillette de 2 ans, une fillette de 6 mois même qui est violée, vous comprendrez que c'est un fléau ici au Burundi. Et ces chiffres-là montrent que c'est une réalité que nous subissons. Nous appelons alors, nous lançons un appel vibrant pour que tout le monde se lève pour dire non à ces violences sexuelles et se baser sur le genre.